quand plus personne n'est dehors, bien sûr, tu travailles encore. Tu t'occupes discrètement de nos familles, de nos parents, pour qui vivre au quotidien d'un monde plus qu'un coup de main, qui se sentent oubliés dans leur domicile isolé. Tu es de ceux qui restent encore, tu es de ceux qui valent de l'or, tu es de ceux qui chaque semaine s'occupent de ce que l'on aime. Je te dis merci, toi qui es le seul à venir chez lui, alors il est seul. Je te dis merci, toi qui es la seule à prendre soin de lui, au lieu de ta gueule. Si on ignore tout de toi, l'auxiliaire de vie, l'infirmier, toi qui portes les repas, qui s'inquiète pour sa santé, toi tu sors par tous les temps, même pendant le confinement, tu resteras toujours là, mais que ferions-nous sans toi? Tu es de ceux qui restent encore, tu es de ceux qui valent de l'or, tu es de ceux qui chaque semaine s'occupent de ce que l'on aime. Je te dis merci, toi qui es le seul à venir chez lui, alors qu'il est seul. Je te dis merci, toi qui es la seule à prendre soin de lui, au lieu de ta gueule. Et les maintiens à domicile, ce n'est pas tous les jours facile. Je reconnais ta bienveillance à tous ceux à qui tu penses. Ce virus, on le vaincra et on se réunira. Je vous imagine dans quelques mois. Grâce à toi, tu es de ceux qui restent encore, tu es de ceux qui valent de l'or, tu es de ceux qui chaque semaine s'occupent de ce que l'on aime. Je te dis merci, toi qui es le seul à venir chez lui, alors qu'il est seul. Je te dis merci, toi qui es la seule à prendre soin de lui, au lieu de ta gueule.